bête. Donc bon, on va essayer par mettre. Non, je crois que ça y est. Ouais. Super. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, en tant que, je parle pas au clair, huissier, je parle en tant qu'humain, de ces pratiques des banques? Non, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils sont dans l'illégalité complète, donc je peux justifier un peu faveur, on a déjà eu des boulots 25 qui gagnaient comme ça. Bah, je ne vais pas gagner, à la limite j'aimerais rembourser mon créancier, c'est-à-dire que j'étais pas même que je suis malade et que je peux le prouver que je suis malade. Là, Banque Accor réclame 6 924 €. Mais j'en ai d'autres, et les sommes sont plus importantes. Parce que le total, c'est 80 000. Et que ma mère vient de décéder le 28, du mois d'avant. Donc, je veux dire par là que j'ai appris de mon curateur, et vous allez peut-être me confirmer si c'est vrai ou pas, qu'une banque, un créancier, aurait pu, donc au conditionnel, se porter, hypothéquer la maison sur une simple évaluation du notaire. Sans que. C'est vrai ça? Ouais, sans que la valeur vénale de la maison soit réévaluée à sa juste valeur. Je vous demande à la réévaluation, mais après, l'hypothèque, oui, ça a été fait en avis par. Pour l'instant, il n'y en a pas. Devant notaire, peut-être. Ouais. Maintenant, ce que vous pouvez dire à Maître Soyer, enfin, c'est plus Maître Soyer. C'est Maître Soyer. Ah, salut. Ah, c'est à Strasbourg, parce qu'à Bentheim, il a voulu, à Bentheim. Oui, ce que vous pouvez lui dire. C'est que moi, ce que je vais proposer le 25 juin, c'est de prendre donc, la maison que vous voyez ici. Je vais proposer au tribunal de cette maison, la diviser en deux parties. Donc j'ai l'appartement à droite dans lequel moi et ma femme, nous pourrions toujours au conditionnel si le juge ou la banque, j'ai déjà demandé de vous à faire un plan sur en étant, s'ils sont d'accord. La partie de droite serait donc toujours conditionnel, réaménagé de façon à pouvoir y vivre avec ma femme. À ce moment-là, on ne paierait pas de loyer. Et cette partie que vous voyez ici, qui est quand même pas jolie, je ne fais pas visiter, on a le premier étage, qui est quand même habitable, que je pense qu'elle pourrait, une fois de plus, être, je ne dis donc pas pour la discrimination, je prendrais comme voisin, même des gens d'autres nationalités. Ma mère, à l'époque de son vivant, avait dit tu pourrais louer ça à des Turcs ou à des. Voilà, je veux dire, à des gens qui seraient contents d'avoir une maison, elle pourrait louer. Un loyer moindre et d'où au moins les appels comme sûr de paiement. Bon, je veux dire, ils pourraient s'en passer. Non, enfin, ils pourraient la louer. C'est pour le risque personnel, hein, parce qu'après, ils ont payé le loyer. Ben, ça aussi, donc on peut louer des garanties à travers une agence. Bien sûr, avec des frais d'agence. Assurance, loyer impayé. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, prendre des candidats qui ont fait des appels et leur demander que les appels soient directement versés sur votre compte au moins d'un minimum. Sachant que ma maladie est normalement, c'est un trouble psychique. Ce serait, donc nous, on est plus au contraire de la paranoïa. Vous voyez que je suis quand même lucide et que j'ai la tête sur les épaules, que tout ça, c'est, je dirais, faisable. C'est envisageable en location. Le prix de la location, ce qu'on recevrait mensuellement, servirait à rembourser les charges. Ouais, c'est ça, cela dit, après, au tribunal, il n'y a pas de souci, hein, mettre un plan en place. Et du moment où c'est vous qui proposez ce plan, il ne peut pas être refusé, surtout si c'est devant le tribunal. Si vous avez pris par le client aurait pu. Mais là, c'est comme passer par le tribunal, là, si vous proposez du 20 € par mois, on ne peut pas refuser parce que c'est de votre bonne foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de vous-même, vous dites, moi, je veux rembourser, je suis d'accord, j'ai cette dette, je l'avoue. D'autres personnes disent non alors que oui, je l'avoue. Mais moi, selon mes revenus, etc., etc., tout ce que je peux vous proposer, c'est par exemple actuellement 20 € par mois. J'ai prévu de mettre le bas de ma maison en location à la partie gauche. Voilà, un temps et temps par mois. Je pourrais reverser à ce moment-là, monter mon échéancier à temps et temps. Donc soit dans un an, refaire un point pour voir si on peut augmenter ou pas. Il y a tout juste un petit hic. C'est pour ça que je vous interromps pas la parole, parce que j'ai mis en place ici, je vous montre. Il y a M. Kimut qui a ramené la durée totale de remboursement de ses créances qui avant été de 10 ans. Il l'a ramené par fils de Salzas à 7. Ce qui, à raison de 500 €, on va faire un calcul mental rapide, fois 12 mois, ça ferait du 6 000 €,
fois donc 7 ans, on arriverait à 42 000 euros de remboursés. Or, on en a quelque 60 000 à rembourser. Donc, il faudrait qu'on rembourse plus. C'est-à-dire qu'on rembourse, mais comme vous avez dit, on aurait fait droit aux APL. Donc, on rembourse, on met ça en location 600. Des personnes 600 qui voilà. sont au RSA, par exemple, ou avec un salaire moindre, un SMIC et les personnes qui ne travaillent pas avec des enfants, il y aura forcément des APL. Hein. Et ça, moi, ça peut être une partie. D'accord, écoutez comment on fait alors là pour les six signatures. Donc, ça c'est l'original, vous gardez. Voilà. Si vous voulez, pouvez la rajouter en Si, sinon je peux vous le noter ici. Ouais. Je note que monsieur Stocker Philippe est de bonne foi, m'a versé à toujours 10 euros. Je ne sais pas si vous voulez faire un plan avec moi. Bon, ça, écoutez, je verrai avec le juge de 25. D'accord. Ben, je mets tout ça, donc voilà, je mets tout ça, donc vous avez versé 10 euros, qu'un nouveau décompte vous sera fait, donc avec le décompte là, moi les 10 euros. Hein. Sinon, merci. Non, mais il n'y a pas de souci, moi ce jour je ne suis pas en étude, donc je ne peux pas. Ce qui se passe, pour dire en toute franchise, je suis dans l'allocation de solidarité spécifique, je suis en train de. Peut-être je toucherai là, le mois prochain, peut-être pas, mais ça ne vous plaindrait pas plus. Là, quand même, je suis en situation de handicap aussi. Hein. Je suis RQTH, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. Donc, l'État est censé embaucher 6% des personnes handicapées. Le législateur est censé rembourser. Le législateur dit que le public doit faire pareil que le privé. Ça va embaucher 6%, or j'ai même pas trouvé dans le cadre d'un stage à la paille. Oui, c'est pas évident, j'ai pas attendu dans la on veut plus de moi nulle part, c'est pas compliqué. Oui, j'ai maintenant pareil, on n'a pas vérifié la commande couverte en printemps en CDI. Une tente. Donc je vous informe aussi que j'ai fait un site sur le survêtement. Si vous voulez que je laisse l'adresse que Maître Soyer m'a voie. Oui, je transmettrai tout ça à la gestionnaire, de toute façon, de votre dossier. Donc il y a le site sur le survêtement. Oui, bon, il a une adresse email, Maître Soyer. Oui, oui. Ah bah, je ne transmettrai pas moi. Et c'est Madame Santoire, je l'écrirai ici. Comment Madame Santoire, c'est avec qui gère votre dossier. Santoire Maître Santoire. Santoire Santoire. Ça, sans toi, c'est pas possible parce que j'ai... C'est elle qui gère dans l'étude. Non, mais si elle s'appelait sans toi en plus, quoi. Je veux dire, c'est ça. Hein. Elle aurait pu s'appeler sans foi, en fait, du jeu de mots. Non, elle est très gentille, hein, donc il n'y a pas de soucis pour dialoguer avec elle. Il y a 10 euros en liquide, le 19. Alors, imaginez la clause pénale, 553 euros à payer. Les frais de requête, les droits proportionnels, alors que j'étais payé 10,50 € brut de l'heure en auto-école. Je travaillais en auto-école alors que j'étais handicapé psychique, c'est-à-dire que je mentais au niveau du médecin de travail pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si vous imaginez. Et j'étais payé 10,50 € de l'heure, et mon médecin généraliste, le docteur Hyde, a dit vous êtes payé 10,50 € pour payer tous les voleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Hein? Vous avez vous cachez derrière le droit de réserve, c'est ça? C'est ça. Vous ne pouvez pas dire ouvertement que votre patron c'est un voleur. je ne l'ai pas dit quoi. Je veux dire voilà. Voilà, ça si vous voulez. Vous avez la preuve. Quand je ne l'ai pas dit, quand je pensais à ça, quand je l'ai marqué, je parlais, j'avais marqué. J'ai rajouté un décompte qui lui sera envoyé, un nouveau décompte. Sur là-dessus, il y aura fait 10 euros de moins. Voilà, nouveau décompte, juste les frais. Enfin, il y aura juste le tableau avec les 10 euros en moins, il n'y aura pas tout un acte, hein, bien entendu. Hein. Si vous voulez, on peut même vous l'envoyer par mes mails si vous avez l'adresse. Je préfère un poum. Un poum couillé, il n'y a pas de soucis. Je me note pour envoyer les comptes. Voilà.
Ça, c'est pour moi, je remène à l'étude, c'est mes notes. Donc voilà, et je l'ai bien noté là sous 72 heures, vous voyez le niveau des comptes. D'accord, et donc juste, vous êtes madame, mademoiselle? Bah, c'est écrit là. Ah, c'est marqué. Moi, je suis Claire Affermenté de notre stagiaire. Donc je fais un rapide calcul, en clause pénale 553,98 plus 100 euros plus 82 euros, ça nous ramène ici à 650, 700 euros à 10,50 euros brut de l'heure, c'est-à-dire 8 euros net pour payer 600 euros. Déjà ça ferait un mois de loyer pour de ma maison. Et ensuite 600 divisé par 8 en heure d'auto-école. Ça correspondrait à combien ça, hein? 600 divisé par 8, on va dire 800 divisé par 8, on arriverait à 100 euros d'auto-école, on arriverait à 80 euros d'auto-école, c'est-à-dire 15 jours. Donc je vais venir travailler 15 jours en auto-école pour payer Maître Solière. Vous voyez? Oui, oui, non, mais après, je peux comprendre. Mais moi, maintenant, je vous invite donc à prendre directement contact avec Madame Santoire, essayer de faire un point avec elle pour voir tout ce que. Bah, j'expliquerai surtout ça. Voilà, voilà. Cette proportion. Et même ça, avec Madame Santoire, l'informer que vous allez devant le tribunal exprès. Et comme dit, là, je vous ai donc donné le délai d'opposition donc d'un mois à partir d'aujourd'hui pour encore revoir les sommes ou qu'importe, hein, même dire, mais moi, je ne suis pas d'accord de payer ça, c'est eux qui m'ont fait des cartes de crédit, machin, machin. Donc voilà. Donc soit vous rendez directement en greffe du tribunal qui a rendu la décision, donc là ça va être Strasbourg. Non, c'est le tribunal de loi, pardon, Dilkirch. Vous y allez, donc contre récipicé, vous pouvez, ou soit par LRAR, tout simplement, toujours au greffe du tribunal Dilkirch. Et en même temps, vous avez le droit de demander à confier les documents fournis par le client à votre rencontre. Sous un mois. Ouais. Pas de délai, c'est que... Donc ça vous va ce mot-là de justificatif? Je pense que tout est correct. Voilà. Et comme dit, au pire, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Madame Santoire, elle est disponible, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, de toute façon, là, ça laisse un délai. Déjà, le 25 du mois, j'informerai le tribunal d'instance de l'opposition que je formulerai sur cet acte-ci. Moi aussi je vais aller prévenir Mme Santoire que vous comptez faire opposition, donc il n'y a pas de souci. Bah, non mais nous on est obligé de le mettre dans nos dossiers, vous savez, on est obligé de se le noter, hein, parce que sinon nous on continue à vous faire des actes, alors vous allez former opposition. Parce que en fait si vous formez opposition, nous pendant toute la procédure d'opposition, on a économisé, plus... Si vous j'en économise aussi. Je dis non, on n'a plus le droit de... Excusez-moi, sur un bouton d'ordinateur, moi ça va me faire 4 ans à l'heure d'auto-école. Moi, je ne clique pas 10 minutes sur les boutons, je c'est sûr qu'il y a le déplacement maintenant ici. Il y a le déplacement sur la route, on vous sollicite pendant 2 heures. Ce qui est au tarif horaire, je ne sais pas combien vous gagnez, pour peut coûter une certaine somme. Celui-ci de 8h à 17h. C'est votre voiture la Volkswagen? Non, du tout. Normalement, une Clio. Ah, c'est la Clio qui est. Voilà, c'est ça. Elle ne gagne pas plus 4 000 euros. Ah, donc c'est la Clio là-bas? Oui. Qui est garée de façon illégale? De façon illégale, c'est ça. Avec les fautes d'histoire. C'est ça. D'accord, écoutez, bonne journée. Merci, au revoir.